Je suis persuadé qu'on est tous des super-héros. Si, si, même toi. Et qu'on a tous des super-pouvoirs à l'intérieur de nous, qu'on a tous des pouvoirs incroyables, mais qu'on a parfois oublié tout simplement le mode d'emploi ou qu'on a donné ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Et qu'au fur et à mesure de notre expérience, de notre vie, finalement notre pouvoir s'effrite au fur et à mesure et il finit par disparaître. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer et t'expliquer comment facilement et rapidement tu vas être capable de réveiller ton super pouvoir, reprendre ce super pouvoir et l'utiliser dans ta vie pour surpasser n'importe quelle péripétie comme un super héros. Sur notre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Vas-y. Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les super-héros, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, du coup, je vais vous expliquer comment reprendre, comment réveiller votre super-pouvoir et puis eh bien dominer votre vie comme un super-héros. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, abonnez-vous sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. En tout ce mois de janvier, là, je vous propose une série de vidéos complètes pour réussir votre année, définir votre objectif, casser toutes les limites que vous avez dans votre tête et réussir, eh bien, cette année, plus jamais comme les autres ont réussi cette année différemment. On change, on se transforme, bref. Cette année, c'est la vôtre, c'est la mienne. Mon étape numéro 1 pour pouvoir réveiller notre super pouvoir à l'intérieur et voler comme un super héros, ça va être de reprendre le pouvoir que l'on a donné aux autres. En effet, durant notre expérience, durant notre vie, notre super pouvoir, on le donne progressivement, de façon complètement inconsciente, aux gens autour de nous, aux situations que l'on va vivre. Et dans cette première vidéo, dans cette première étape, on va voir comment reprendre le pouvoir que l'on a donné aux autres toute notre vie de façon inconsciente. Exemple numéro 1, stratégie numéro 1, on va dire, pour pouvoir récupérer ce pouvoir, on va parler des critiques. En effet, les critiques que l'on a reçues depuis notre plus tendre enfance, depuis notre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, notre âge adulte, qui nous impactent de façon inconsciente, de façon inconsciente. Des gens qui te disent « tu n'y arriveras pas, tu n'es quand même pas fou, non mais franchement, réveille-toi, regarde la réalité en face. Tu es vraiment quelqu'un de crédule, toi, tu crois tout et n'importe quoi. » Personnellement, je pense que ça ne te correspond pas, c'est pas du tout fait pour toi. Peut-être que tu as déjà reçu ce type de message, ce type de critique venant même de personnes bienveillantes, de personnes autour de toi qui te veulent du bien, qui t'ont dit ces choses-là. Et que tu aies été d'accord ou pas, que tu sois d'accord ou pas avec eux, je suis persuadé aujourd'hui que ce message t'a impacté d'une façon inconsciente ou d'une façon consciente. Que finalement, tes décisions que tu as prises, que la confiance que tu as en toi a été impactée. Et en fait, quand tu as donné du crédit, de façon inconsciente encore une fois, ou de façon consciente à cette personne, à cette critique, eh bien indirectement, tu leur as donné un petit peu de ton pouvoir. Ta capacité à réussir cette chose que tu voulais vraiment faire, ce trait de caractère que tu voulais vraiment devenir. Je me souviens dans plein de situations de ma vie où on m'a dit par exemple, et là tu vas voir que c'est une critique qui a été entre guillemets positive, on m'a dit que voilà, toi Enzo, t'as une grande gueule, t'as un bon commercial, toi tu pourrais vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et ça c'est quelque chose qu'on me dit depuis très 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 longtemps, ok? Et du coup cette critique elle a créé quoi en moi? Elle a créé cette croyance que je devais être quelqu'un qui vend et que j'étais prêt à tout vendre. Et on m'a dit plusieurs fois, donc tu serais prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et malheureusement, pendant une période de ma vie, on va dire, bah, j'ai donné raison à cette critique. Et j'étais prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui, comme on dit parfois, prêt à vendre sa mère, pour réussir, pour atteindre mes objectifs. Et donc du coup, effectivement, ces critiques que j'ai reçues, qui étaient parfois positives, parfois négatives, je leur donnais tellement d'importance, tellement d'approbation, même parfois inconsciente. Moi, je me souviens plusieurs fois où on m'a dit « tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi ». Et j'ai dit « ah ouais, vous pensez ça ? Eh ben, tu vas voir ». Et je me suis donné à 200% pour faire que ça marche, pour leur prouver à tous ces cons que j'étais capable d'y arriver et que moi aussi, j'allais le faire et que moi, j'étais quelqu'un. Et si tu veux, tu pourrais vivre… Alors,
il y a des gens, et peut-être toi derrière la caméra, tu vis les choses complètement différemment. Peut-être que quand on te dit tu n'y arriveras pas, ça t'impacte. Tu commences à laisser croire et à laisser grandir cette croyance que tu n'y arriveras pas, tu perds tes moyens, tu ne le fais pas. Ou peut-être qu'à l'inverse, comme moi à l'époque, tu vas voir si je vais pas y arriver, ouais. Et puis tu donnes tout ce que tu as pour pouvoir y arriver. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe à quel point la critique t'impacte et les décisions que tu vas en prendre par la suite, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on voit que bah ouais, ça m'a impacté en fait. Ça m'a impacté. Et du coup, mes décisions, les choix, ce que je suis devenu par la suite, a complètement été impacté par cette critique, en bien ou en mal. Ok ? Et donc du coup, tu te rends compte que ce pouvoir qui est à toi, ton pouvoir de décision, ton pouvoir d'action, ton pouvoir de te définir et d'être finalement, d'être plus que de définir, tu l'as donné un petit peu aux autres et c'est les autres qui t'ont modelé avec leur critique. Et donc cette chose que t'as, qui fait partie de toi, ce pouvoir, tu l'as donné aux autres parce que t'as écouté les critiques. Point numéro 1, arrête d'écouter les critiques, bonnes ou mauvaises, bonnes ou mauvaises dans ce sens-là, pour pas qu'elles ne te définissent. Tu peux les écouter pour les mélanger, pour y réfléchir, pour méditer dessus. Mais plus tu donnes de l'importance à ces critiques, plus tu écoutes ces critiques dans ta construction individuelle, plus tu as de chances de donner ce pouvoir de savoir qui tu es aux autres et de laisser les autres te définir finalement. Point numéro 1 du coup, on arrête d'écouter les critiques et on arrête de donner de l'importance à ce que les gens pensent de nous, de qui on est, de ce qu'on fait. Pour numéro 2, si tu veux pouvoir récupérer ton super pouvoir que tu as laissé aux autres, c'est arrête vraiment d'essayer de vouloir impressionner quelque chose ou quelqu'un. Okay? Que ça soit un maître, que ça soit un disciple, quand tu es aujourd'hui dans l'appréciation, dans la recherche de l'approbation de l'autre, eh bien tu n'es finalement pas toi-même. Et quand tu es dans la recherche de qui tu es à travers les yeux de l'autre, tu laisses ce pouvoir, encore une fois, à l'autre de te définir. Et c'est là que tu perds ton super pouvoir. C'est là que tu laisses un petit peu de toi chez l'autre. Et encore une fois, c'est ça qui fait de nous ce qu'on est, notre super pouvoir. Et donc, quand on le donne à l'autre comme ça, on se perd un petit peu en chemin. Alors, c'est très cohérent avec ce que je viens de te partager juste avant par rapport au fait de... tu n'y arriveras pas, d'accord ? Donc du coup, tu es dans la recherche de l'approbation, mais on peut retrouver ça dans plein d'autres situations, dans plein d'autres exemples. Très récemment, j'ai vécu ça dans ma vie sur effectivement un pôle de mon développement, on va dire, un pôle d'apprentissage, un nouveau truc sur lequel j'étais en train de me former. Typiquement, on est dans le développement personnel, donc j'étais effectivement dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau programme. Et du coup, je cherchais auprès du professeur, auprès de l'enseignant, auprès du mentor, je cherchais son approbation par rapport à mon développement. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait toute notre vie, c'est un petit peu ce qu'on nous a appris, c'est que tu apprends de quelqu'un et tu recherches dans ses yeux l'approbation, la validation, le oui, c'est bien joué, tu vois. C'est ce qu'on recherche d'abord chez nos parents et ensuite ce qu'on va rechercher chez nos pères, ou tu vois, je sais pas trop comment partager ça. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça, c'est quand tu es dans la recherche d'approbation de quelqu'un, quand tu es tout le temps en train de guetter, finalement tu ne fais plus pour toi, mais tu fais pour l'autre. Tu laisses une énorme part de définition. Et du coup, j'ai eu de la chance parce que mon mentor s'en est rendu compte. Ma femme s'en est rendu compte également parce que j'étais dans la recherche de l'approbation de ma femme pour qu'elle me dise félicitations, voilà ce que tu as atteint, etc. Et pas du tout, elle n'a pas du tout joué le jeu que j'espérais qu'elle joue. Et au contraire, elle m'a confronté et elle m'a regardé, elle m'a dit qu'est-ce que tu attends ? Que je te dise que c'est bien ? Que je te dise félicitations, que je te dise que t'es une nouvelle personne, t'es une meilleure personne, etc. Pourquoi ? Pourquoi t'as besoin que moi je te dise ça ? Tu le sais, tu l'es déjà. T'as pas besoin que quelqu'un d'autre te confirme ou te dise bla bla bli. Alors bien évidemment, les amis, je vous vois arriver, on est humain. Et on a besoin effectivement de l'approbation de nos pères pour trouver notre place et pour également fonder notre identité. Mais j'aimerais que vous visualisiez la chose, que maintenant vous soyez conscient que quand vous recherchez l'approbation de quelqu'un d'autre, eh bien, vous lui donnez une partie là de votre pouvoir, de votre identité, de votre définition. Quand on est dans la recherche de l'approbation de l'autre, on lui donne un petit peu de notre super pouvoir. Arrêtez,
arrêtez d'être dans l'approbation des autres sur votre définition, sur ce que vous faites, c'est bien. Parce que c'est un jugement, positif ou négatif, mais c'est un jugement. Donc par rapport au jugement de l'autre, ça définit nos actions, ça définit qui on est. Ça a explosé mon cerveau quand j'ai compris ça. Et à partir de là, si vous gardez ce pouvoir-là pour vous, plus grand, plus fort. Perdu parfois, parce que c'est bien évidemment pas le fonctionnement qu'on a fait depuis qu'on est petit, c'est pas le fonctionnement avec lequel on a l'habitude de travailler, mais quand tu vois que tu reprends ce pouvoir que tu as laissé aux autres, tu te sens incroyablement bien. Un peu perdu au départ, puis finalement tu fais tes premiers pas, tu grandis, et puis tu commences à croire un peu plus en toi, te focaliser un peu plus sur ton intuition, prendre tes décisions pour toi et arrêter de penser que le monde va te juger, va approuver ce que tu as fait. Pourtant c'est que toi, tu approuves ce que tu es et tu approuves qui tu es et tes valeurs. Point numéro 3 pour pouvoir reprendre ton super pouvoir que tu as donné aux autres, c'est confronter, c'est être conscient et confronter l'héritage de ton éducation, des automatismes qu'on t'a donné. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis persuadé que énormément de nos pensées, de notre fonctionnement, de nos automatismes sont basés sur notre éducation. On dit que 80% de ce qu'on est aujourd'hui a été fait quand on était enfant, quand on était beaucoup plus jeune, basé sur notre éducation, basé sur les valeurs qu'on a reçues de nos parents, de l'école, etc. etc. Sur cette base-là, j'aimerais aujourd'hui que tu te regardes dans les yeux sans filtre et que tu sois conscient qu'est-ce qui fait partie de ton héritage, qu'est-ce qui fait partie des valeurs, de la vision, valeurs, vision, habitudes, pensées sur ton héritage. Qu'est-ce que ta famille, qu'est-ce que ta société, qu'est-ce que ton lieu de naissance t'a légué, qui fait partie de toi aujourd'hui. Je te dis pas ni que c'est bien, ni que c'est mal. Je te dis juste qu'il faut que tu sois conscient de ton héritage et que tu le confrontes. Et que tu vois aujourd'hui, est-ce que ton héritage te définit? Est-ce que ton héritage te définit vraiment? Est-ce que tu acceptes cet héritage ou est-ce que tu le subis? Vivre quelque part, parler une certaine langue, croire que l'argent c'est mal. Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu un héritage de mon père, spécifiquement, qu'il fallait gagner de l'argent à tout prix. Que l'argent c'était le nerf de la guerre. Que l'argent c'était la chose la plus importante. Et que quand on avait suffisamment d'argent, ça y est, on allait être heureux. Et on avait tout. Et on avait le bonheur. Du coup, je suis rentré dans la vie avec cette quête oppressante, essentielle de gagner beaucoup d'argent. Et finalement, quand j'ai passé ce cap-là, perdu. C'était pas ça. On m'a menti. Mais il a fallu que je fasse ce saut, que je prenne cette conscience de « Ah bah tiens, ça c'est un héritage qu'on m'a donné, c'est pas vraiment moi. Du coup, tiens, j'ai la possibilité, j'ai une option de faire différemment. Je ne suis pas cet héritage. Je ne suis pas forcément ce qu'on m'a légué et ce qu'on pense que je suis. Il y a peut-être une autre possibilité, une autre perception des choses. Et j'ai pu me réinventer, j'ai pu grandir, j'ai pu reprendre ce super pouvoir sur les croyances, sur la perception, sur la vision. Et à partir de là, construire complètement différemment. Ok ? Confronter l'héritage, confronter l'éducation qu'on t'a donnée, confronter les valeurs qu'on t'a données. Voir si ça correspond avec ce que tu as envie de créer dans la vie et à partir de là, prendre tes décisions, ok? Reprendre ce pouvoir finalement que tu as donné à ta famille, que tu as donné à ta société, que tu as donné au monde dans lequel tu as grandi pour prendre tes propres décisions avec ton propre super pouvoir de qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui est un héritage. Dernier point essentiel, les amis. Quand as-tu pris une décision? Quand as-tu fait quelque chose pour quelqu'un? Quand t'es-tu payé en dernier? Quand as-tu fait passer les autres avant toi? Ça arrive énormément souvent, de façon inconsciente, de façon automatique. Ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps en coaching, je demande à mon client pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Ok? On est là pour ça. Prenons le temps, réfléchissons. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? Situation qui aujourd'hui te déplaît. Situation aujourd'hui qui te met dans l'inconfort. Situation aujourd'hui qui ne correspond pas à ce que tu es, à ce que tu veux être, à ce que tu représentes. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? Ben, je sais pas. On réfléchit. Ok. On se pose, on prend du temps.
se questionne un peu, on se challenge, on échange. Ok. Bah finalement, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Je l'ai fait pour faire plaisir à ma femme, à mon copain, à mon pote, à mon ami, etc. Et donc, bah, je les ai fait passer avant moi. Parce que leur bonheur me rend heureux, parce que faire plaisir, ça me fait plaisir. Très bien. Est-ce que tu penses que tu vas être en capacité d'être heureux dans ta vie si tu fais passer les autres avant toi? Qui, selon toi, de toi à moi là, c'est qui le personnage le plus important de ta vie? C'est qui la personne la plus importante de ta vie? Je te le dis en mythe, si t'as pas compris, c'est toi. Personne d'autre ne doit passer avant toi dans ta vie. Tu es la clé de ta vie, tu es la clé de ta réussite, tu es la clé de ton bonheur, tu es la clé de ton épanouissement. Et si tu penses que tu veux rendre d'autres personnes heureuses, si tu n'as pas ces trois choses-là, si toi tu n'arrives pas à être heureux, tu ne pourras jamais rendre heureux personne. Je reprends rapidement la métaphore de l'avion, mais quand l'avion il se crache, le masque il descend. Si toi tu ne prends pas d'oxygène, tu peux sauver personne. D'abord ton masque à oxygène, après tu donnes de l'oxygène à quelqu'un, c'est exactement le même concept. Tu es la personne la plus importante de ta vie et tu dois d'abord t'occuper de toi. Donc ma question pour toi, c'est quand est-ce que tu as fait quelque chose pour quelqu'un au détriment de ton bonheur, de ton énergie? Parce que dans beaucoup de situations, et ça m'est arrivé moi le premier, tu fais quelque chose pour quelqu'un mais t'en as pas vraiment envie. Ah, ça te fait chier, hein? Ça te fait chier, potentiellement c'est en désaccord avec tes valeurs, potentiellement c'est en désaccord avec ta vision, potentiellement t'avais vraiment autre chose d'hyper important à faire et tu sors de ta ligne pour aller faire quelque chose dans lequel c'est pas vraiment aligné avec ce que t'as envie de faire parce que c'est pour lui faire plaisir, pour rendre service, pour bli, pour bla. On arrête tout ça. Parce que quand on fait ça, on donne, encore une fois, du pouvoir à cette personne de nous définir sur notre temps, sur notre humeur, sur notre énergie au quotidien. Bien évidemment, on fait plaisir aux gens autour de nous. Bien évidemment, on s'occupe d'eux, bien évidemment, on leur donne. Mais pas de cette façon-là et pas à notre... Pas au détriment de notre bonheur. On se paye toujours en premier. On fait tout le temps les choses d'abord pour nous. Et c'est pas être égoïste. C'est avoir en tête cette conscience de si tu n'es pas heureux, tu ne peux rendre heureux personne. Et c'est tout. Ok les amis, je vous rappelle rapidement du coup les 4 choses à faire pour reprendre du pouvoir que l'on a donné aux autres. Arrêter d'écouter les critiques, que ce soit de bonnes ou mauvaises. Être conscient de ce qu'une critique va avoir comme impact sur nous, sur nos décisions, sur notre vie, sur notre vision. Arrêtez de rechercher l'approbation des autres. Quand vous êtes dans la recherche de l'approbation des autres, vous laissez le jugement des autres vous définir vos actions. Troisième point, c'est avoir conscience de votre héritage et de votre environnement. Qu'est-ce qui est venu à vous et qui vous a défini? Et le quatrième point, les amis, hyper important, on se paye toujours en premier. On arrête de faire les choses pour les gens au détriment de notre propre bonheur, de notre propre épanouissement. Quand j'ai découvert, voilà, cette autre perception, cette autre vision des choses par rapport à cette lumière, à ce pouvoir que l'on a en nous, que j'ai finalement distillé un petit peu partout dans ma vie, ça a vraiment été game changer, ça a vraiment redonné les cartes, fait changer les choses et je voulais vraiment vous le partager. Aujourd'hui, je vous invite à devenir conscient de ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire changer dans votre vie du jour au lendemain. Mais maintenant, prenez conscience que, ben voilà, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un et pas pour vous, vous donnez un peu de votre pouvoir. Quand vous laissez une critique vous impacter, de façon positive ou négative, vous donnez un petit peu de votre pouvoir. Et vous laissez un peu de votre lumière partout. Si aujourd'hui vous voulez être plus impactant, casser ce plafond de verre, réussir à passez au niveau suivant dans votre vie. Vous avez besoin de votre super pouvoir. Vous avez besoin de reconnecter avec votre lumière pour pouvoir vous étendre et exploser. Donc, je vous invite à récupérer cette lumière, à devenir conscient de vos actions et de vos décisions au quotidien pour pouvoir tout simplement briller. Ok ? Dans la vidéo suivante, les amis, on verra justement 4 solutions pour reprendre le contrôle de notre vie, d'accord ? Sur des situations dans lesquelles on n'est plus en contrôle, on a l'impression un peu d'être perdu, on est dans cette situation. À un moment dans ma vie, je me suis trouvé tout le temps dans des situations hyper inconfortables. Qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Et finalement, j'ai compris que toutes ces situations dans lesquelles je me retrouvais, c'était parce que j'avais laissé un peu de contrôle
un peu de lumière, à droite, à gauche. Maintenant qu'on a vu l'étape numéro 1, pour reprendre un peu de lumière, pour reprendre notre pouvoir que l'on a laissé aux autres, on va voir 4 étapes pour reprendre le contrôle dans plein de situations de notre vie courante. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va vous plaire également. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, juste en dessous, laissez un énorme like, partagez cette vidéo à tous vos amis qui laissent un petit peu trop de leur pouvoir personnel à droite et à gauche. On continue dans cette vidéo, dans cette série de vidéos tout le mois de janvier pour écrire ensemble notre légende personnelle. J'espère que cette vidéo elle vous a fait du bien. En tout cas, à moi, ça en a fait beaucoup. J'ai des dizaines d'anecdotes, de situations sur ces cas de figure comme ça dans lesquelles j'ai laissé du pouvoir à l'autre. Et aujourd'hui, je suis conscient du pouvoir que je garde en moi et que j'utilise pour avoir des résultats complètement différents. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo, les super-héros. On se retrouve du coup pour parler des 4 actions à mettre en place pour reprendre du contrôle dans ta vie. C'était Enzo, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0, all engine running.